Je prépare votre chambre, je reviens vous chercher juste après. Bonjour, messieurs. Alors, vous êtes Maxime et vous, c'est Fernand, c'est bien ça? Oui. Eh bah, écoutez, enchanté, moi je suis Ilan, je suis le nouvel aide-soignant. Et c'est moi qui vais m'occuper de vous quasiment tous les matins. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Non, parce que ce sera beaucoup plus simple, hein. Super. Alors, dis-moi Maxime, qu'est-ce que tu veux boire ce matin? J'ai du café, du thé, du chocolat. Du café? Café, super, c'est parfait. Ouais, et pareil. Pareil, allez. Tu me dis stop, hein? Ok, stop. Ouais? Ouais. Attention. Encore? Non, ça va. Merci. T'as plus? Mais c'est bon. Ok. Dis-moi, Maxime. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu seras sorti de l'hôpital? Je vais me remettre à la danse, direct. Parce que tu danses? Bah ouais, pourquoi? Y'a un problème? Aucun. Bon, alors moi, je vais vous laisser parce que j'ai d'autres patients, hein. Mais si vous avez un problème, vous hésitez pas, vous avez des vips à côté du lit. Allez, bisous, bisous. Non, un tout petit peu plus haut. Remonte encore. Attends, redescends. Attends, remonte. Aïe, attends, là tu me fais mal. C'est bon là? Ouais, c'était bon, ouais. Tu te fous de ma gueule en plus? Ça va. Ça te fait rire, toi, Fernand? Bah. Il est pas encore là? De qui tu parles? Hein? Ah oui, non, en fait, c'est Madame Lucas. C'est une patiente, en fait, qui est dans le bâtiment d'en face. Elle a été admise en neurologie parce qu'elle a Alzheimer. Et tous les jours, elle va s'asseoir sur le banc dans le jardin des plantes, à côté du cerisier. Et voilà! Ah bah il aura pris son temps aujourd'hui. Et tous les jours, il y a un homme qui vient la voir, qui lui donne une rose, il ramasse une ou deux cerises et ils les mangent ensemble. C'est pas mignon ça, hein? Ilan, s'il te plaît, tu peux venir, on a besoin de toi. Oui, j'arrive. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée, hein? Bonne journée. Allez, bisous. Non? Fernand? Oh Fernand! Ça va? Fernand, ça va? Tu veux que j'appelle quelqu'un? Ça va. Merci. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bonjour. Ah bah tiens. Tant que t'es à la fenêtre, est-ce qu'il y a déjà Madame Lucas? Madame Lucas, Oui, elle est là. D'ailleurs, elle est avec Monsieur Lucas. Ah oui, je vous ai pas dit. Le monsieur qui vient la voir, c'est son mari. Ah ouais. Ah bah alors ça, Maxime, ça te plairait. De quoi? Oh, il y a Monsieur Lucas qui s'est mis à danser. Il est en train de faire une chorégraphie de... Enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est Fred Astaire. Vous connaissez l'acteur américain? Eh ben, Madame Lucas, elle en est super fan. Donc régulièrement, Monsieur Lucas fait quelques petits pas de claquettes. Bah attendez, je vous montre. Ça commence un peu comme ça. C'est pas mal. Je le fais bien, là? Ouais, ça va. Attends. Bah attends, lave un peu plus haut les coudes, là. Et... Tiens-toi droit. Génial. Une leçon de danse maintenant.
Désolé, messieurs. Le devoir m'appelle. Ben, passez une très bonne journée. Oui, non, mais reviens. Et nos petits déjeuners, c'est quand? Oui, allô? Oui. Alors, c'est sympa de pouvoir bouger le cou. T'as bientôt pouvoir partir en rééducation, non? Salut Maxime. Salut Lan. Alors, c'est le grand départ? Ouais, ouais. D'ailleurs, tiens, je me demandais, enfin, avec Fernand, on se demandait, juste avant que je parte, je voudrais bien savoir, Madame Lucas. Oui. Comment elle va aujourd'hui? Eh ben. Madame Lucas, elle. Ouais. Aujourd'hui non plus, elle reconnaît pas Monsieur Lucas. C'est... Ah, mais attends. Il y a Monsieur Lucas qui fait un truc qu'il fait pas d'habitude. Il fait pas sa danse de claquette là. Il s'est assis à côté d'elle. Ils discutent. Continuent de discuter. Et il y a Madame Lucas qui vient de poser sa main sur celle de Monsieur Lucas. Elle s'est penchée et ils s'embrassent. Elle ne le reconnaît pas. Ça... Mais ça a plus d'importance maintenant. Bonjour Fernand. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Il n'est pas là, Ilan, aujourd'hui? Non, il est parti quelques jours chez lui dans le sud pour s'occuper de sa mère. Alzheimer. On s'est dit qu'on allait faire une petite balade dans le fauteuil ce matin. Vous voudriez aller où? Juste à la fenêtre, s'il vous plaît. À la fenêtre? Oui, s'il vous plaît. Bon, ben on va y aller avec le lit, ça sera plus facile. Ouais. Allez, c'est bon. Allez. Pas grand chose à voir. Vous voudriez pas aller ailleurs? Ah non. Non, je suis bien ici.